Hello. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur le live vidéo de Géant Ludo, c'est-à-dire moi. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est sur The Crew 2, un jeu édité et développé par Ubisoft. Je vais y arriver. Donc là, c'est plus la bêta, c'est le jeu complet. Nous sommes le 29 et il vient de sortir tout aujourd'hui. On parle de jeux français. De toute façon, on va dire m'en fout un peu. Attention de tout, le bébé là. Comment on fait pour changer de truc? Alors, vidéo. Ultra, le moteur. Puisque Ultra, de toute façon, n'est-ce pas? Intermédiaire, ça sera bizarre autrement. Élevé. Donc audio, on va baisser un peu les musiques quand même. Voilà, on va les mettre comme ça parce que YouTube aime pas trop les musiques vu que je stream et je fais une vidéo mon début de let's play en live en même temps, donc on va pas tenter le diable. Alors on attaque tout de suite les amis, c'est parti, nouvelle partie, go. Bon, on va faire de toute façon ce qu'on avait fait déjà dans la bêta. Donc on n'aura pas, ce sera pas trop une surprise quoi. On va choisir qui. Lui j'aime bien. Allez, c'est parti pour. J'ai une vue que pour la course. Bon, je vais regarder si le son de mon stream est bien ou pas. En même temps. Bon les gars, on se bouge. On passe à l'antenne dans pas longtemps. Ah, Hiroyuki Carter. Ah, appelez-moi Hiro. Enchanté. Je commençais à me dire que vous et votre pilote, vous alliez jamais venir. Je travaille pour Live, l'entreprise de caméras qui sponsorise la course. Je gère l'événement. Venez avec moi. Je tenais vraiment à vous remercier. La chance que vous nous donnez, c'est formidable ce que vous faites. De rien. On est toujours à la recherche de partenaires de talent, un peu comme vous et votre camarade là. Je pense pas avoir à vous le dire, mais si vous faites du bon travail, beaucoup. C'est pas mal. La qualité aussi est bonne. C'est compris. On vous décevra pas. Me décevoir. Donc c'est parti. Oh, il s'agit pas de ça. C'est votre chance d'impressionner des gens importants. Les événements que nous organisons sont des tremplins vers toutes les familles de sport mécanique du pays. Vous avez bien pour objectif de piloter. Ouais, ouais, c'est vraiment important pour nous. On a déjà essayé de diffuser nos propres courses, mais j'imagine que des courses entre inconnus, ça intéresse personne. Croyez-moi, si vous montrez ce que vous savez faire aujourd'hui, vous deviendrez célèbre comme ça. Faites une belle course et vous verrez vos options comme votre public se multiplier. Ouais, on fera de notre mieux. Hiro, mon ami, je veux pas de votre mieux. Je veux du légendaire, je veux de la tuerie. Bon allez, je dois y aller, j'ai une course à organiser. Bon courage. Ok, merci. Tu peux y aller, mon vieux. Casse la baraque. En fait, casse tout sur ton chemin. Pilote comme tu l'as toujours fait et on passera professionnel en moins de deux. Bienvenue dans la ville qui ne dort jamais. Préparez-vous à voir New York envahie par une horde de pilotes déchaînés pour une course défiant les lois de l'imagination. Ce n'est pas une simple ville, c'est un véritable terrain de jeu pour les meilleurs sportifs d'aujourd'hui et de demain. Bon allez, c'est parti. Ah, toujours aussi beau et fluide.
ça qu'il y a du noz aussi. Nous vous invitons aujourd'hui à assister au premier épisode du Live Extreme Series de l'année. Au cours de cette nouvelle saison, des challengers de talent vont se mesurer aux stars du circuit et essayer d'impressionner les différentes équipes de course. Et croyez-moi, elles sont aux aguets. Mais surtout, ils vont devoir vous impressionner, vous, le public. S'ils veulent gagner des fans, en tout cas. Ah, c'était pas par là. C'est comme ça que ça marche. Faire de belles courses, arriver premier et gagner plein de followers. Par là. On va quand même essayer de les rattraper. Ils doivent pas être très très loin. On les voit sur la carte, ça va. En parlant de prendre de la hauteur, regardez-moi ce saut. Vous avez vu comme les chiffres atteignent les sommets? Allez, go! J'aurais pas fait ma connerie, c'était bon quoi. On les voit là-bas. Et maintenant, c'est parti pour l'extrême. Ah oui, c'est vrai que ça change chaque fois. Penche en arrière pour aller plus vite. Je suis désolé pour le live, ça bug. Je verrai ça après le premier épisode. Je baisserai le bitrate. Vous gagnez des followers en gagnant des courses, bien entendu, mais ce n'est pas tout. Réalisez des figures spectaculaires comme celle-ci et les fans se bousculeront au portillon. Ça sera pas. On en est à deux tiers du circuit et j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau prodige. Ah, je fais tout pour. Ah, ça se prépare. Mode d'avion. Préparez-vous pour le grand final, ça va être chaud. Elles sont sympas les transitions. Y a pas de secret. Aujourd'hui, il suffit plus d'être un bon pilote. Faut aussi être pro en dehors du circuit et savoir gérer sa présence sur les réseaux sociaux. C'est tout simple en fait. Plus vous avez de followers, plus vous pouvez en gagner de nouveaux. Signez avec une équipe et les autres s'intéresseront à vous. Fidélisez des supporters et les contrats commenceront à pleuvoir. En d'autres termes, un pilote qui réussit à attirer suffisamment de followers aura accès à de nouveaux styles de pilotage appelés discipline. Sensation forte garantie. Et n'est-ce pas ce qu'on recherche tous? Oh là là, je sens les followers arriver d'ici, pas vous? Ça pète franchement ce jeu, j'avais trop hâte. On va arriver sur la tranche. Et voilà. C'était le premier épisode de notre série Live Extreme en direct du cœur de New York City. Merci de nous avoir accompagnés et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. The Crew de... Anonyme. Alors devine quoi, camarade? C'est officiel, on a cartonné. Va falloir qu'on fasse nos preuves, mais... Je m'inquiète pas.
On a le talent qu'il faut. Et il y a tellement de trucs à essayer. Bateaux, avions, toutes sortes de caisses. Ici, c'est le plus grand buffet du monde. Et on va pouvoir goûter à tout. J'arrête pas de recevoir des appels de partout. Street racer, off-road, pro-racing, freestyle. On devrait aller voir ce qu'ils nous proposent, vu qu'on a le choix. Dis-moi chez qui tu veux qu'on aille en premier, et c'est parti. Camarade, sois le bienvenu à Motor Nation. Merci. Bon. Ben apparemment, on a quatre options. Par quoi tu veux qu'on commence? C'est toi qui décides. Los Angeles. Il faut déjà une voiture. Tiens, une nouvelle tête. Moi, c'est Latrelle. Disons que je suis le comité d'accueil non officiel de la famille des Street Racers. Ici, on prépare nos caisses et on se distingue pendant les courses. Si ça t'intéresse de nous rejoindre, faudra faire tes preuves. Je te prête une voiture, mais c'est toi qui conduis. Si tu gagnes, tu restes. Mais attention, c'est un prêt. Ne l'abîme pas. On va pas l'abîmer, ta petite Porsche. On va la décrasser un peu. Il est hyper fluide comme jeu. Bon, en fait, j'ai compris pourquoi ça bug le live. C'est à cause d'OBS. Il est plus fun que le premier, je trouve. Non, je trouve pas. Non. Ah! J'ai les boutons pour changer de vue en fait. Y arriver. Chaque fois je me fais avoir dans ce virage. C'est vous. J'ai bien, vous. T'as réussi. Septième, allez, c'est bon. Viens avec moi. Je vais te montrer un truc qui va te plaire. D'accord. En fait, on peut arriver à n'importe quelle place, c'est bon quoi. Bienvenue dans la famille Street Racing. T'as fait une belle course. Tu as donc gagné ton droit d'entrée au spot. Le point de ralliement de la communauté Street Racing. Je fais partie de ceux qui veulent donner un cadre officiel à ce qu'on fait. Si tu penses pareil, on pourra peut-être s'entraider. Lui, par contre, il veut que ça reste underground. Son nom, c'est Edgar Marquez. Mais il vaut mieux que tu l'appelles Tio. Dans le coin, c'est lui le champion. Le roi du 400 mètres départ arrêté. Si tu veux arriver à le battre, va falloir que tu donnes tout ce que t'as et deux ou trois trucs que je vais t'apprendre. Parce que, ok, t'as du talent, mais moi, ce que je t'offre, c'est la maîtrise absolue. Tu vois les caisses, là? Il y en a une pour toi. Disons que c'est un cadeau pour avoir passé le test. Les autres bagnoles, par contre, il va falloir que tu te les payes. Gagne des courses, fais-toi respecter, et tu pourras t'amuser avec plein de joujoux. Drift, drag racing, hypercar, enfin, tu vois le genre.
Il faut que tu cours, et surtout, il faut que tu gagnes. Alors choisis une voiture, prends le volant, et montre-moi ce que tu sais faire. D'accord, bon, on va prendre notre première voiture, et on arrêtera pour cette première vidéo. Débutant. Je pense que je vais prendre la même que dans la bêta, elle me plaisait bien. Alors il y avait celle-là gratuite. Ah non, peut-être la Audi. Ouais, je peux plutôt prendre la Audi RS. Niveau PF 114. Ouais, 114, ça me plaît mieux. 400 chevaux. Il n'y a rien à voir. Celle-là. Mais comme dans la... En verte. Elle est belle en verte. Voilà. Jante noire. Oui. Douze nouvelles cool. Activités. Tu te rappelles ce qu'on disait à propos de customiser nos véhicules? Eh ben là, on a les outils pour le faire à la maison. Cool. Mais rien avec des flammes, ok? Ouais, on n'est pas dans une force speed. Donc voilà les amis, on va quitter ça. Voir ce qu'elle vaut notre nouvelle voiture. Ah, les textures sont pas top là. Regardez ça. Voir que je suis en ultra. Alors... quoi pour enlever ça? F quelque chose, je pense. F3, non? Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais changer de vue, voir. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est la carte. Klaxon en bas. Gauche, c'est quoi? Ça, c'est l'appli photo. Tu peux l'utiliser pour prendre des clichés, les partager ou encore les ajouter à l'album photo. Et si jamais un cliché est dur à prendre, t'inquiète pas. Tu peux faire avancer et reculer la chronologie pour retrouver l'instant que tu recherches. Comment on prend la photo? Mickey. Ouais, c'est que je cherche pour changer de vue, moi. Start. Non, c'est pas ça. Y. Autre photo, non. Non, select, c'est la carte, donc non. Bon, c'est pas grave. Bon, les amis, je verrai ça pour le prochain épisode, c'est-à-dire que je vais le tourner juste après. Ok, bah, elle déchire comme ça. Non, 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 non. Ouais, tout rayé. Bon, le klaxon, il est pas pratique. Hein. Bon les amis, nous on va se laisser là, j'espère que cette première vidéo sur le jeu final vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très vite, ciao ciao.